Fanfare La Belle Image, depuis longtemps maintenant, on va dire depuis 2004, elle a décidé de faire des spectacles chorégraphiés, des spectacles où non seulement on joue la musique, mais on danse nous-mêmes pour appeler, bien sûr, le public à danser. Super. D'ailleurs, vous êtes en train de préparer une nouvelle création dans le cadre de la résidence à la Maison de Bégon. Eh bien, c'est ça exactement. On avait une création prévue pour 2022, mais ça c'était avant, comme on dit aujourd'hui. Voilà, avec des échanges avec des Chiliens, des musiciens chiliens, des artistes. Voilà, tout ça a été reporté. Mais en septembre, à la rentrée, après une saison 2020 quasi inexistante, ou en tout cas un peu bizarre quand elle a existé, on a décidé de rebondir, de réagir et de se lancer dans une créa. Voilà, qui pour être prêt dès que ce sera possible pour ramener la musique dans la rue, dans les rues, enfin partout en fait, et pouvoir l'offrir au public. Je rebondis du coup sur cette année 2020 inexistante. Tu fais référence au Covid, situation sanitaire que l'on vit depuis un an maintenant. Oui. Du coup, comment tu l'as vécu, comment la fanfare l'a vécu après 25 ans à faire des spectacles, des déambulations, des festivals, que tout tombe à l'arrêt comme ça, comment vous êtes relevé un peu à part cette création, enfin relevé c'est un bien grand mot mais... Alors pour tout te dire déjà, il y a eu le terme un peu famille pour La Belle Image, parce qu'on est beaucoup, qu'on fait tous partie de La Belle Image par passion aussi, puisque... On sait qu'on a l'occasion, quand on fait partie de ce groupe-là, de jouer et de faire même partie d'un projet, de jouer de la musique, mais de faire partie d'un projet qui est unique et qu'on pourra faire nulle part ailleurs. Et là, en ce moment, La Belle Image, je pense que pour la plupart des musiciens qui la composent, c'est une bonne bouffée d'oxygène. Parce qu'on a pris justement à bras-le-corps la situation, on s'est dit qu'on allait faire une nouvelle créa, donc on écrit ou on arrange des nouveaux morceaux, il y a une dynamique hyper positive. Il y a du coup, je pense vraiment les qualités d'un collectif où on n'est pas seul, c'est hyper important. Et c'est vrai que la plupart de nos autres projets, puisqu'on a tous des projets à côté, ils sont quasiment tous arrêtés. Et celui-là, il nous permet de continuer de presque, j'allais dire, de vivre en fait, parce que on peut pas comme tout le monde, on peut pas vraiment projeter, mais en tout cas nous, on avance. Et c'est le plus important. Et je suis ravie de voir cette avancée dans le cadre de la résidence à la Maison de Bégon. Je vous remercie les garçons d'avoir répondu présent à l'invitation. On remercie évidemment le reste de la troupe qui n'a pas pu intervenir sur le plateau. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la captation de deux morceaux de la fanfare. Et surtout, restez connectés.